السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة بريو مع الأستاذة الراوي مريم مع درس جديد. درسنا اليوم مع تلاميذ الأولى إعدادي. Première session. Les opérations sur les nombres en écriture fractionnelle. عمليات على الأعداد بكتابة كسرية أو على الأعداد الكسرية. Opération sur le nombre en écriture fractionnaire. Premièrement, addition et soustraction. J'aime Wata. Le A, les deux nombres ont même dénominateur. Règle numéro 1. Pour calculer la somme ou la différence de deux nombres en écriture fractionnaire de même dénominateur, premièrement, en addition ou on soustrait les numérateurs. Deuxièmement, on conserve le dénominateur commun. Je répète, on additionne ou bien on soustrait les numérateurs. Deuxièmement, on conserve le dénominateur commun ou bien on garde. دغ نحسب جوج الاعداد كسريه عندهم نفس المقام. اذا مادام عندهم نفس المقام غنحسب بالمقام واحد اللي هو نفس المقام ديالهم وغنجمع ولا غنطرح هاد الاعداد. شنو اللي غنطرح فيهم؟ غنطرح البسط. اي عدد كسري مكون من بسط ومقام. البسط هو الفوق والمقام هو تحت. هادشي شفنا في الدروس اللي سابقه. دغ نجمع اولا بغا نطرح جوج الاعداد كسريه عندهم نفس المقام كنحصافي بنفس المقام بعد كنجمع البوصول اولا كنطرح البوصول. اوترومون دي سوا ا بي سي 3 نومبر ديسيمو تيل كو بي ديفيرون دو زيرو ا سور بي بلس سي سير بي ايغال ا بلس سي سور بي. اون ا ميم دينوميناتور دونك اون اديسيون ا بلس سي ا سور بي موان سي سور بي. On a même dénominateur, donc, égal à moins C sur P, tel que A est supérieur à C. Et P est différent de 0. On dit, c'est l'adad achari, qui est A ou P ou C. D'accord, je mets A à la P, Z à C à la P. Quand on a le même nombre, il y a un nombre qui est le même nombre, qui est A, Z à C. عندي A على P ناقص C على P. عندي نفس المقام واحد. إذا نقدر نطرح البوصول. ولكن خصني A تكون كبر من P باش نطرح. وخصني P لا باش نجمع ولا باش نطرح. خصني P يكون مخالف صفر. لأن الصفر ميمكنش يكون في المقام. إكزومبل 1. كالكولي. A إيكال 3 سور 7 بلس 8 سور 7. P égale 5 sur 19, pardon, 5 sur 13 plus 7 sur 13. Et C égale 0,2 sur 0,5 plus 1,8 sur 0,5. D égale 13 sur 8 moins 5 sur 8. Et E égale 7 sur 9 moins 3 sur 9. F égale 8,7 sur 7 moins 5,9 sur 7. Correction d'exemple 1. On calcule. On a A égale 3 sur 7 plus 8 sur 7. On a même dénominateur, donc 3 plus 8 sur 7 égale 11 sur 7. P égale 5 sur 13 plus 7 sur 13. On a même dénominateur, 13, on garde le 13 et on fait 5 plus 7. 5 plus 7, c'est 12. 12 sur 13, P égale 12 sur 13. C égale 0,2 sur 0,5 plus 1,8 sur 0,5. On a même dénominateur. Donc, on garde le dénominateur et on fait l'addition. 0,2 plus 1,8 sur 0,5 égale 2 sur 0,5. Pour éliminer la virgule, on doit multiplier le numérateur par 10 et le dénominateur par 10. Donc, 2 fois 10 sur 0,5. Fois 10 égale à 20 sur 5. On simplifie par 5 égale à 4. D égale 13 sur 8 moins 5 sur 8. On a même dénominateur donc 13 moins 5 sur 8 égale 8 sur 8 égale à 1. E égale 7 sur 9 moins 3 sur 9. Donc on a même dénominateur 9. On garde le 9. 7 moins 3 égale à 4. E égale à 4 sur 9. F égale
8,7 sur 7, moins 5,9 sur 7. Alors, on a même dénominateur, donc 8,7 moins 5,9 sur 7, égale 2,8 sur 7. On élimine la virgule, on doit multiplier le numérateur par 10 et le dénominateur par 10. Donc, égale à 28 sur 7, sur 70, pardon. On doit 28 égale à 7, 4 fois 7, sur 7 fois 10. On simplifie par 7, égale à 4 sur 10. On simplifie par 2, 4 égale à 2 fois 2, sur 2 fois 5, égale 2 sur 5. Les deux nombres ont des dénominateurs qui sont l'un et multiples de l'autre. Règle 2. Pour calculer la somme ou la différence de deux nombres en écriture fractionnaire qui ont des dénominateurs différents, on commence par les écrire avec le même dénominateur. Ensuite, on additionne ou on soustrait les numérateurs en conservant le dénominateur commun. برغن نحسب ولا برغن نجمع او لا برغن نطرح عددين كسريين عندهم مقام مختلف اول حاجه كنوحد المقامات اون لي زيكريب افيك لو ميم دينومينيتور اونسويت من بعد كنجمع وكنطرح يعني اون ابليك لا ريغل نيميرو 1 اكزامبل 2 كالكولي ا ايغال 5 سور 2 بلس 1 سور 3 ب ايغال 14 سور 18 موان 10 سور 15 C égale 5 sur 4 plus 0,1 sur 8. D égale 0,6 moins 1 sur 2. E égale 8 sur 5 moins 14 sur 15. F égale 5 sur 6 plus 7 sur 12. Deuxièmement, multiplication de deux nombres en écriture fractionnaire. Pardon. Règle numéro 3. Pour multiplier deux nombres en écriture fractionnaire, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. يعني les ضرب عددين كسريين نضرب البسط في البسط والمقام في المقام. Correction d'exemple 2. On calcule. On a A égale 5 sur 2 plus 1 sur 3. On a des dénominateurs différents, donc on réduit au même dénominateur. On doit multiplier 2 fois 3, 6, 6. Et on doit multiplier 3 fois 5 égale à 15. On écrit 15 ici. 2.1 égale à 2. On écrit 2 ici. 15 plus 2 sur 6 égale 17 sur 6. B égale 14 sur 18 moins 10 sur 15. On a une simplification. On doit simplifier par 2 ici et par 5 ici. 14 égale à 7 fois 2 sur 9 fois 2 et 10 égale à 5 fois 2 sur 5 fois 3. On simplifie par 2 et par 5, alors il reste 7 sur 9 moins 2 sur 3. Donc on a 9 et multiple de 3. Donc le dénominateur commun c'est 9, 9. On a 9, ne change pas. 7 ne change pas. On a 3. Pour avoir 9, on doit multiplier 3 par 3. Alors 2 fois 3 égale à 6. 7 moins 6 sur 9 égale à 1 sur 9. C égale 5 sur 4 plus 0,1 sur 8. On a 8 multiples de 4. Donc le dénominateur commun c'est 8. 4. Pour avoir 8, on doit multiplier 4 fois 2. Donc 5 fois 2. 8 ne change pas, alors 0,1 ne change pas. Égale 10 plus 0,1 sur 8 égale à 10,1 sur 8. On doit multiplier le numérateur et le dénominateur par 10 pour éliminer la virgule, car on a un chiffre après la virgule, on doit multiplier par 10, donc égale à 101 sur 80. D égale 0,6 moins 1 sur 2. 0,6 égale à 6 sur 10. Moins 1 sur 2, le 10 est multiple de 2. Donc le dénominateur commun c'est 10. 10, 10. 6 ne change pas, alors 2. 5 égale à 10, 1 fois 5 égale à 5. 6 moins 5 sur 10 égale à 1 sur 10. E égale 8 sur 5 plus 14 sur 15.
On a 15 des multiples de 5. Alors on écrit 15, 15. En 14, pardon, 14 ne change pas. Alors, puisque 15 ne change pas, 5 fois 3 égale à 15. Alors, 8 fois 3 égale à 24. 24 moins 14 sur 15 égale 10 sur 15. On doit simplifier par 5 égale à 2 sur 3. F égale 5 sur 6 plus 7 sur 12. 12 est multiple de 6. Alors, le dénominateur commun, c'est 12. 7 ne change pas. 6 fois 2 égale à 12, alors 5 fois 2 égale à 10. 10 plus 7 égale à 17 sur 12. Autrement dit, A, B, C et D sont des nombres décimaux tels que B différent de 0 et D différent de 0. A sur P fois C sur D égale à A fois C sur P fois D. On doit multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. La réussite c'est d'obre, exemple 3. A égale 7 sur 9 fois 4 sur 5. B égale 7 sur 8 fois 5 sur 3. C égale 5,5 sur 12 fois 2 sur 3. D égale 9,5 fois 5 sur 8. E égale 3 sur 4 fois 6 sur 7. F égale 5 sur 3 fois 8 sur 17. Cas particulier. Multiplication de A sur B par C. Règle numéro 4. Soit A, B et C, trois nombres décimaux, tels que P différent de 0. A sur P fois C égale à A sur P fois C sur 1. Égale à A fois C sur P fois 1. Égale à A fois C sur P. إذا كانت عندنا عدد كسري وعدد صحيح، هذا العدد الصحيح كنرجعو عدد كسري. كيفاش كنرجع؟ بحال دابا 3 بغيت نرجع عدد كسري 3 على 1، كنرجعو المقام ديالو هو 1. 4 هي 4 على 1، 5 هي 5 على 1، من بعد كنضربو البسط في البسط والمقام في المقام. هي A فوس C سور B. Exemple 4. Calculer. A égale 3 sur 4 fois 6. B égale 7 fois 5 sur 21. C égale 2 sur 3 fois 8. Et D égale 5 fois 2 sur 3. Quotient de deux nombres en écriture fractionnaire. Quotient yani kharij adadain bi kisaba kasri. Ou la qismat adadain kasri. Règle numéro 5. L'inverse d'un nombre A non nul est le nombre qui est multiplié par A. Donne 1. On le note 1 sur A. 1 sur A fois A égale à 1. Et en particulier, l'inverse de A sur P est P sur A, tel que A différent de 0 et P différent de 0. L'inverse, l'arabia, c'est le maqloub. Maqloub 3 est 1 à 3. Maqloub 4 est 1 à 4. Maqloub 5 est 1 à 5. Maqloub 5 à 2 est 2 à 5. Maqloub 3 à 4 est 4 à 3. مقلوب 6 على 7 هو 7 على 6. دوني لانفيرس دي نومبر سويفون. 5, 2 sur 3, 4 et 5 sur 4. Règle 6. Pour calculer le quotient de deux nombres en écriture fractionnaire, on multiplie le premier nombre par l'inverse du deuxième nombre. Autrement dit, A, soit A, B, C et D, 4 nombres décimaux, avec P différent de 0, C différent de 0 et D différent de 0. A sur P divisé par C sur D égale à A sur P fois D sur C. Ou l'inverse. Au même bête qu'il y a la multiplication, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Le qismat, c'est le jardin, c'est le maqloub de l'adat tani. C'est l'adat l'aoul qui est le plus maqloub. Quand on dit qismat, c'est le jardin. العدد الثاني كندير المقلوب ديالو، من بعد كتبقى القاعدة ديال الضرب الوسط في الوسط والمقام في المقام. On donne l'inverse des nombres suivants. L'inverse de 9 هو المقلوب. L'inverse de 5 égale à 1 sur 5. L'inverse de 2 sur 3 égale à 3 sur 2. L'inverse de 4 égale à 1 sur 4. L'inverse de 5 sur 4 est 4 sur 5. كان عندي عدد واحد على ذاك العدد
كان عندي عدد بحال هكذا كسري المقام كيرجع هو البسط والبسط هو المقام، هذا هو الانفرس المقلوب. Exemple 1, calculer A égale 5 sur 3 divisé par 2 sur 7, B égale 2 sur 9 divisé par 5 sur 4, C égale 4 sur 3 divisé par 3, D égale 5 divisé par 3 sur 7, E égale 3 sur 4 divisé par 8 sur 3, F égale 7 divisé par 4 sur 7. Exemple 2, calculer. Il y a une question qui est très importante, il y a une question qui est très importante, il y a une question qui est 3 sur 4 divisé par 5 sur 7, 9 sur 2 divisé par 7 sur 2, C égale 4 sur 5 divisé par 2 sur 9, D égale 7 sur 5 divisé par 7 sur 3, E égale 9 divisé par 3 sur 4, F égale 4 sur 5 divisé par 7. Remarque, il faut toujours prendre ou simple pardon. Remarque, il faut toujours penser aux simplifications avant d'effectuer les opérations. Je répète, il faut toujours penser aux simplifications avant d'effectuer les opérations. Qui fait cette remarque ou la hadd moulahada? دائما كنخدم كندير العمليه كندير خرج الاعداد الكسريه اول حاجه خصني نفكر فيها فاش كنكون كنخرج بان لي شي سورتو باش كيكون عندنا الضرب أو القسمة، حيث القسمة كترجع ضرب، بان لي شي اختزال خصني اختزال عاد نكمل باش ما يكونوش أعداد كبار. Correction d'exemple 1. On a 5 sur 3 divisé par 2 sur 7. La division devient multiplication à l'inverse du deuxième facteur. On a 5 sur 3 ne change pas. La division devient multiplication. On a division devient multiplication. Quoi? L'inverse de 2 sur 7 est 7 sur 2. Ou 7 sur 2. Alors, on doit multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. 5 fois 7 sur 3 fois 2 égale 35 sur 6. Now, عندي 5 على 3 قسمة 2 على 7. الأول كيبقى كيما هو القسمة كترجع ضرب في المقلوب. المقلوب ديال 2 على 7 و 7 على 2. من بعد كندير الضرب البسط في البسط والمقام في المقام. P égale 2 sur 9 divisé par 5 sur 4 égale à 2 sur 9 fois 4 sur 5 égale à 2 fois 4 sur 9 fois 5 égale à 8 sur 45. L'amalie de Tania, عندي 2 على 9 مقسومة على 5 على 4. 2 على 9 كتبقى كما هي القسمة كترجع ضرب في المقلوب ديال 5 على 4 هو 4 على 5. إذا غنديرو البسط في البسط والمقام في المقام. 2 في 4 على 9 في 5 اللي هي 8 على 45. C égale 4 sur 3 divisé par 3. 4 sur 3 ne change pas. La division devient multiplication à l'inverse du deuxième facteur. L'inverse de 3 égale à 1 sur 3. Alors 4 sur 3 fois 1 sur 3 égale à 4 fois 1 sur 3 fois 3 égale à 4 sur 9. 4 على 3 قسمة 3. 4 على 3 ما كتبدلش. القسمة كترجع ضرب في المقلوب ديال 3 هو 1 على 3 وكنديروا البسط في البسط والمقام في المقام. 4 في 1 على 3 في 3 اللي هي 4 على 9 دي تساوي 5 قسمة 3 على 7. 5 على 1 قسمة كترجع ضرب في المقلوب ديال 3 على 7 هي 7 على 3 اللي هي 5 في 7 على 1 في 3 اللي هي 35 على 3. دي ايغال 5 ديفيزي بار 3 سور 7. 5 égale 5 sur 1. La division devient multiplication. Quoi? L'inverse de 3 sur 7 est 7 sur 3. 5 sur 1 fois 7 sur 3. 5 fois 7 sur 1 fois 3. Égale à 35 sur 3. E égale 3 sur 4 divisé par 8 sur 9. 3 sur 4, division devient multiplication fois l'inverse de 8 sur 9 et 9 sur 8. 3 sur 4 fois 9 sur 8. 3 fois 9 sur 4 fois 8 égale 27 sur 32. E tout ça, oui, 3 à la 4, قسمة 8 à la 9. 3 à la 4, ما كتبدلش, قسمة كترجع ضرب في المقلوب ديال 8 على 9 هو 9 على 8. إذا 3 في 9 على 4 في 8 اللي هي 27 على 32. F
égale 7 divisé par 4 sur 7. 7 sur 1 divisé par 4 sur 7 égale à 7 sur 1 fois 7 sur 4. Égale à 7 fois 7 sur 1 fois 4 égale à 49 sur 4. بالنسبة ل f 7 قسمة 4 على 7. 7 هي 7 على 1. لا بغيت نرجع على شكل كسر اسمها كترجع ضرب في المقلوب ديال 4 على 7 هو 7 على 4. من بعد كندير البسط في البسط والمقام في المقام. 7 في 7 على 1 في 4 اللي هي 49 على 4. Quatrièmement, règle de priorité. يعني قاعدة الأسبقية. Règle 7. Les règles de priorité des calculs s'appliquent avec les nombres écrits sous forme fractionnaire. Les calculs entre parenthèses sont effectués en premier. En absence des parenthèses, la multiplication et la division sont effectuées avant l'addition et la soustraction. يعني جميع القواعد اللي درناهم ديال الأسبقية اللي قريناهم في الدرس الأول نفسهم كيتطبقوا على الأعداد الكسرية. عندي جمع طرح ضرب قسمة الأسبقية للضرب والقسمة. عندي أقواس أسبقية لداخل الأقواس والأول. إكزرسيس 7 كالكولو A égale 2 sur 3 fois parenthèse 7 sur 6 plus 5 sur 12. Donc on a parenthèse, donc on calcule à l'intérieur des parenthèses. B égale 4 sur 7 fois 6 sur 5 plus 3 sur 4 plus 4 sur 2 divisé par 2 sur 3. On effectue la multiplication et la division avant l'addition et la soustraction. C égale 7 sur 4 moins 2 sur 3 plus 1 sur 6. On effectue le calcul de gauche à droite car on a la soustraction et l'addition. D égale 7 sur 5 moins 3 sur 10 fois 1 sur 4. On effectue le calcul à l'intérieur des parenthèses. E égale 4 sur 7 plus crochet, parenthèse 2 sur 3 plus 1 sur 6 plus 5. On effectue le calcul des parenthèses les plus internes. Il y a les aquas derrière. Correction d'exemple 7. On calcule A égale 2 sur 3 fois parenthèse 7 sur 6 plus 5 sur 12. On calcule à l'intérieur des parenthèses. On a des dénominateurs différents. On a 6, 12. Et 12 est multiple de 6. Alors le dénominateur commun c'est 12. On écrit 12, 12. 5 ne change pas. Alors 6 fois 2 égale à 12. 7 fois 2 égale à 14. Donc 14 plus 5 égale à 19. 19 sur 12. Donc, égale 2 sur 3 fois 19 sur 12. 2 fois 19 sur 3 fois 12. On simplifie par 2 égale 2 fois égale, pardon, 1 fois 6 fois 19 sur 3 fois 6. Égale 19 sur 18. A, tout ça, oui. 2 à la 3 fille, 7 à la 6, 5 à la 12. Qu'est-ce que je vais vous dire? المقامات غير موحدة، إذا غنوحدوا المقامات، إيش كنلاحظوا؟ 12 من مضاعفات 6، إذا المقام واحد هو 12، 12 ما تغيرش، 5 ما كتغيرش، إذا عندي 6، باش ترجع 12 ضربتها في جوج، حتى 7 غنضربوها في جوج، هي 14، من بعد كنحسب 14 زائد 5 هي 19 على 12، إذا غتولي كتساوي لي 2 على 3 في 19 على 12، كنعرفوا بأن عندنا الضرب ديال الأعداد الكسرية البسط في البسط والمقام في المقام، ولكن عندي اختزال. اللي هو 12 هي 6 في 2 غنحيدو 2 غتبقى لنا 1 في 19 على 3 في 6 اللي هي 19 على 18 ب يقال 4 sur 7 و 6 sur 5 plus 3 sur 4 plus 4 sur 2 divisé par 2 sur 3 on a la multiplication, l'addition, la division on effectue la multiplication, la division avant l'addition. Donc, 4 sur 7 fois 6 sur 5 égale à 4 fois 6 sur 7 fois 5, plus 3 sur 4, plus 4 fois 2, pardon, 4 sur 2, la multiplication, la division devient multiplication fois l'inverse de 2 sur 3 et 3 sur 2, fois 3 sur 2.
égale 24 sur 35, plus 3 sur 4, plus 4 fois 3 sur 2 fois 2. On simplifie par 4. Égale 24 sur 35, plus 3 sur 4, plus 3 sur 1. On a l'addition, l'addition. Donc, on calcule de gauche à droite. Mais, on réduit au même dénominateur. On a le dénominateur commun, c'est 140. 140, 140, 140. 35 fois 4 égale à 140. Donc, 24 fois 4 égale 96. 4 fois 35 égale à 140. Alors, 3 fois 35 égale à 105. 1 fois 140 égale à 140. 3 fois 140 égale à 420. Donc, égale, on garde le même dénominateur, 96 plus 105 plus 420 sur 140. 96 plus 101 égale 201 plus 420. 201 plus 420 sur 140 égale 621 sur 140. B تساوي 4 على 7 في 6 على 5 زائد 3 على 4 زائد 4 على 2 قسمة 2 على 3. عندي الضرب، عندي الجمع، عندي القسمة كنسبق القسمة والضرب على الجمع والطرح إذا كانوا عندنا شي طرح. القسمة ضرب أعداد كسرية كنضربوا البسط في البسط والمقام في المقام، هادشي علاش درنا 4 في 6 على 7 في 5 زائد 3 على 4 زائد 4 على 2 كتبقى كما هي. القسمة كترجع ضرب في المقلوب ديال 2 على 3 هو 3 على 2، هي 24 على 35 زائد 3 على 4 زائد 4 في 3 على 2 في 2، غنختزلوا 4 غتبقى 3. من بعد شنو كندير؟ كنوحد المقامات. المقام الواحد هو 4 في 35 اللي هي 140. كان عندي 35 فاش ضربتها باش رجعت 140 في 4، 24 غنضربوها في 4. كان عندي 4 فاش ضربتها في 35 حتى 3 غنضربوها في 35. كان عندي 1 غنضربها في 140 حتى 3 غنضربوها في 140. عفوا، عطاتني 96 زائد 105 زائد 420، غنخرجو من اليسار الى اليمين. 96 زائد 105 هي 201 زائد 420 اللي هي 621 على 140. C égale 7 sur 4 moins 2 sur 3 plus 1 sur 6. On a la soustraction et l'addition. On commence, ou bien on effectue le calcul de gauche à droite. On réduit, on a 4, 3 et 6. On réduit au même dénominateur. Donc, le dénominateur commun, c'est 12. Car 12 est multiple de 4, 3 et 6. Donc, on écrit 12, 12, 12. On a 4 fois 3 égale à 12, donc 7 fois 3 égale à 21. 3 fois 4 égale à 12, 2 fois 4 égale à 8. 6 fois 2 égale à 12, 1 fois 2 égale à 2. Donc, égale 21 moins 8 plus 2 sur 12. 21 moins 8 égale à 13 plus 2 sur 12 égale à 15. 13 plus 2 égale à 15 sur 12. On simplifie par 3. 15 égale 3 fois 5 et 12 égale 3 fois 4 égale 5 sur 4. C تساوي 7 على 4 ناقص 2 على 3 زائد 1 على 6. باش نجمعوهم خصنا نديرو نفس المقام. عندي طرح جمع، غنديرو الحساب من اليسار الى اليمين. من اليسار الى اليمين يعني كل جوج عمليات غنحسبوهم من اليسار لليمين. وحدنا المقامات، كانت عندي 4 رجعت 12 ضربتها في 3، حتى 7 غنضربوها في 3 هي 21. كان عندي 3 رجعت 12 ضربتها في 4، حتى 2 غنضربوها في 4 هي 8. كان عندي 6 ضربتها في 2 باش ولات 12، حتى 1 غنضربوه في 2. من بعد كنحتفظوا بنفس المقام كيولي 12، وهنا 21 ناقص 8 زائد 2. ننجز الحساب من اليسار الى اليمين. 21 ناقص 8 هي 13 زائد 2 هي 15 على 12، غنختزلو ب 3 غتبقى لنا 5 على 4. D égale 7 sur 5 moins 3 sur 10 fois 1 sur 4. On effectue le calcul à l'intérieur des parenthèses. On a des dénominateurs différents. 10 est multiple de 5. Donc le dénominateur commun c'est 10. 10, 10. On a 5. 5 fois 2 égale à 10. Alors 7 fois 2 égale 14.
14 moins 3 égale à 11 sur 10 fois 1 sur 4 égale 11 fois 1 sur 10 fois 4 égale 11 sur 40. بديت تساوي 7 على 5 ناقص 3 على 10 في 1 على 4. عندي أقواس، إذا ننجز الحساب ما بداخل الأقواس. كنلاحظوا أن 10 من مضاعفات 5، إذا المقام 1 هو 10. كانت عندي 10 بقات 10، إذا 3 ما كتغيرش. كانت عندي 5 رجعت 10 ضربتها في 2، إذا 7 كنضربوها في 2. 14 ناقص 3 على 10 هي 11 على 10 في 1 على 4. عندي ضرب أعداد كسرية، البسط في البسط والمقام في المقام، 11 في 1 على 10 في 4 اللي هي 11 على 40. E égale 4 sur 7 plus crochet parenthèse 2 sur 3 plus 1 sur 6 plus 5. On a des crochets des parenthèses, donc on calcule. On effectue le calcul des parenthèses les plus internes. On a 2 sur 3 plus 1 sur 6. 6 est un multiple de 3. Donc le dénominateur commun c'est 6. 6, 6. 1, on garde le 1. On doit multiplier 3 par 2. Alors 2 fois 2 égale à 4. 4 plus 1 égale à 5 sur 6 plus 5. On effectue. On réduit au même dénominateur 6, 6. On doit multiplier 1 fois 6 pour avoir 6, alors 5 fois 6 égale à 30. 6 ne change pas, alors 5 ne change pas. 5 plus 30 sur 6 égale à 35 sur 6. Ici, on effectue le calcul à l'intérieur des parenthèses, égale à 5 sur 6. Et on remplace pour quand on élimine les parenthèses, on remplace les crochets par parenthèses. Égale 4 sur 7 plus 35 sur 6. On doit réduire au même dénominateur. Alors le dénominateur commun c'est 42. 6 fois 7 égale 42, 42. 6 fois 4 égale 24. Et 7 fois 35 égale 245. Égale 24 plus 245 sur 42 égale 269 sur 42. تساوي 4 على 7 زائد معقوفة قوس 2 على 3 زائد 1 على 6 زائد 5. غننجز الحساب ما بداخل الأقواس. كنلاحظوا أن ما بداخل الأقواس المقامات ديالهم مختلفين، إذا غنوحدوا المقامات. أنا 6 من مضاعفات 3، هنا 6 ما كتغيرش، حتى 1 ما كيتغيرش، هنا 3 في 2، إذا 2 في 2. إن فوا من كنلقاو مقام 1 كنجمعوه. 4 زائد 1 هي 5 على 6. مابقاش عندي، حيدنا الأقواس الداخلية، إذا المعقوفة تبدل بقوس اللي هي غتولي 5 على 6 زائد 5 على 1. غنوحدو المقامات، المقام 1 هو 6، 5 ما غتبدلش، ولكن هنا ضربنا في 6 فالفوق كنضربو في 6 زائد 3، ومن بعد كندير الجمع ديالي مادام عندهم مقامات موحدة. كتولي 4 على 7 زائد 35 على 6. كنلاحظو أن المقامات غير مختلفة، إذا غنضربو 6 في 7 وغنكتبو 42 42. 6 في 4 24 يعني حفلة، 7 في 35 245. إذا عندي نفس المقام نقدر نجمع البوصول، 24 زائد 245 على 42 اللي هي 269 على 42. كنت سعيدة جدا بلقائكم، كان هذا هو درسنا لهذا اليوم، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء مع درس جديد.